à vous. Bonjour, bonsoir, ça dépendra toujours à quelle heure que vous allez nous capter. On espère que vous allez bien, on espère que vous avez bien passé votre week-end et on souhaite à nos abonnés un très joli week-end et une très spéciale salutation à eux. Et si c'est votre toute première fois de nous suivre, en tout cas, faites-vous abonner chez Elios 13, cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout, commentez-nous cette page très gentiment. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve encore avec Mama Wisdom, Mama Berre. Vous savez comme les gens mettent leur bouche partout. Elle va même nous parler aujourd'hui des abonnés toxiques, des gens que vous voyez sur TikTok là-bas. Ce sont les gens qui ont des allumettes, qui ont de pétrole, des gaz, n'importe quoi qui allume les feux. Et là-bas, ils en ont. Ils n'aiment pas la paix. Les gens là n'aiment pas la paix. Les gens de TikTok là, ils n'aiment pas la paix. Si vous voyez ici même sur notre page, les gens là, aigris là, les nœuds là, ce sont les gens qui sortent de là. Alors, vous savez, Mama Berre a été crucifiée une fois où les gens disaient que non, Mama Berre, tu as aussi tes enfants. Il faut laisser Kim. Pourquoi tu t'occupes beaucoup des affaires de Kim? Alors, ta maison, alors tes enfants, et tout ça. Mama Berre, auparavant, elle supportait Kimi et Axel ensemble comme plusieurs mamans. Maintenant, bon, les gens, les abonnés toxiques, les fans toxiques disent que non, Mama Berre n'aime pas Axel, elle fait des pics contre Axel et puis il faut laisser Axel et tout et tout. Et puis Mama Berre a laissé Axel tranquille. Elle a commencé à suivre Kim à 100%. Comme vous avez dit dans l'autre vidéo, que il y a des mamans qui étaient ensemble et soutenaient Kim et Axel, qui se sont séparées, qui sont parties de part et d'autre. D'autres supportent Kim, d'autres supportent Axel. Ils ne veulent plus parler. Si peut-être elles supportent Kim, elles ne veulent plus parler d'Axel. Si elles ne parlent plus de Kim, elles veulent supporter Axel. Donc, vice-versa. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont de problèmes avec l'artiste. Cela ne veut pas dire que si moi je parle de Kim ou bien je supporte Kim, j'ai un problème avec Axel. Si moi je supporte Axel, j'ai le problème avec Kim. Non. Auparavant, c'était comme ça. Maintenant, l'arrivée des abonnés toxiques a tout gâté. On va passer à la vidéo. On va vous mettre la vidéo de Mama Berre d'hier. On a été sur son live. On va vous mettre la vidéo. On va suivre la vidéo tous ensemble. Je suis là, mais je ne suis pas là. Nos abonnés savent quand Elios 13 dit que je suis là, mais je ne suis pas là. Mais je suis là pour vous. Voilà. Donc, cette série de notre nouvelle, je ne sais pas. À chaque fois, on appelle à la paix, ça prend du feu. À chaque fois, c'est fait, s'éteint, il y a quelqu'un d'autre qui allume le feu là-bas. Si le feu là commence à finir, ils amènent encore le pétrole, ils ajoutent encore dans le feu là. Ils amènent de l'huile, ils jettent dans le feu là pour que le feu rallume. Mais au final, vous voulez quoi? Il y a des gens qui ne veulent pas voir Kimi heureuse. Ils veulent tout gâter. Ils veulent tout gâter. Il y a des gens qui ne veulent pas voir Axel heureux, faire sa vie au calme. Mais moi, j'apprécie le calme, surtout d'Axel. Là, il est trop calme. Même Kimi, là, il est calme aussi. Ils ne disent rien, ils ne répondent pas. Il y avait même une live là, un live là que Kimi avait fait, dont elle disait qu'elle ne veut pas parler. Elle ne veut pas répondre aux gens. Oui, c'est ça la sagesse. C'est ça, il faut être. Axel, même là, il n'est même pas là. Il continue à faire ses concerts et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, c'est ça. On ne sait pas quand est-ce que ces faits vont s'éteindre pour du bon. Car les gens ne veulent pas que les faits s'éteignent pour du bon. Ils soulèvent à chaque fois. Ça éteint, ils soulèvent. Voilà. On va passer directement à la vidéo. Et si vous nous suivez à ce moment, c'est votre toute première fois. En tout cas, n'hésitez pas de vous faire abonner chez Elios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez et surtout, commentez-nous cette page très gentiment. Suivons la vidéo tous ensemble. Natif elle va vous dire, j'ambiançais le papa. Je donnais rendez-vous au papa et je disais au papa, viens, on va expliquer l'histoire d'Axel Meryl.
et on rigolait avec Américaine. C'est pour ça aujourd'hui qu'Américaine est fâchée contre moi, parce qu'elle disait merci. Elle disait que tu venais m'ambiancer à faire d'Axel et puis Kimi là. Tu venais m'ambiancer, tu expliques leur histoire, on était contents, tu viens plus sur mon live. Et le diable a voulu que ça pète pour moi. Tout ce qui est Axel, comme vous voulez que je vous dise, pour aujourd'hui là, je vais vous dire, ça a rentré dans vos oreilles. C'est vous qui avez l'art de détecter qui est faux, qui est vrai, qui n'est pas gentil, qui est méchant. Deuxième live d'Axel, tous les jours. Je suis la seule qui a assumé, hein, ma bouche ici. Quand il y a un problème d'Axel, je me mets en live, je parle. Il n'a pas peur de vous. Ne pensez pas que parce que je suis émotive, j'ai peur. Non, il n'a pas peur. Il était dans ma tête, là, il y a des boulons qui ont sauté. Mais c'est Dieu qui nous bloque. Je me mets en live, je parle d'Axel. Vous venez une box, maman, et c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Je me pose. Je ne vous regardais pas. Et aujourd'hui, le Seigneur me donne raison. Parce que si on avait regardé les personnes comme vous là, on n'allait jamais pouvoir s'exprimer. Alors là, jamais. Et à chaque fois que je me mettais en live, je calmais les mamans. Il dit, ah, oui, ah, merci maman Queen. Elle dit, tu as baissé en audience parce que tu as commencé à défendre Axel. Jusqu'à elle-même a dit, aïe, j'étais à 333 000 et quelques abonnés. À cause de Kim et Axel, là, beaucoup de gens se sont désabonnés. J'ai failli perdre la page. J'ai dit les signalements. J'ai dit, aïe, mais les gens disent, ils aiment les enfants. Maintenant, moi, je parle, on parle, on les défend depuis. Vous venez signaler encore, c'est pourquoi? Il disait à maman Queen, les sons, ceux-là, c'est les enfants. Qui va rentrer dans l'affaire d'enfants même? Bon, dit, je mange maman Fidéline. Et on se mettait en live, on cause, on les attache. Mais à chaque fois qu'il y a eu un projet d'Axel, allez vous renseigner. Comme vous aimez mais vos la main, c'est-à-dire que vous mettez dans le ventre des gens là. Mais il est important souvent de revenir sur des choses pour vous faire comprendre. Merci, maman Mamfen. À chaque fois qu'il y a un projet, je ne vous ai jamais écouté. Je suis toujours resté ici à ma place. Il parle du projet. Allez demander à Shora, elle va vous dire. Vous êtes là. Le jour où il y a eu le live avec Shora, où je suis monté, on devait parler des projets d'Axel. Vous ne m'avez pas vu. Ça encore, c'est petit. Mais c'était ma décision, en fait, d'être seule. Il n'a pas besoin qu'on me téléguide. Et je suis toujours restée à ma place, là. Et pour ceux qui me suivent, j'ai toujours dit merci à ces mamans-là qui étaient là depuis avec Kim. J'ai toujours dit merci. Elles sont là. J'ai toujours dit merci. 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 Mais chaque jour. Et puis moi, je ne suis pas dans cachotterie, dans inbox. Moi, j'ai dit ça en live. Et puis, j'ai dit le nom. Mais aujourd'hui, ce live-là, c'est pour vous, les abonnés. Gare à une. Gare à un. Si tu es... J'ai dit, si tu penses être quelqu'un, tague-moi sur quelque chose. Partage-moi quelque chose. Moi, je suis la seule, je vais dans le live d'Axel. Sa team doit être dans le live, ils vont vous dire. Je vais dans son live, je m'installe là-bas bien. Parce qu'il n'y a pas de problème, je ne l'ai pas insulté. Il n'y a pas de problème avec lui. Léila va me tirer. Je m'en vais là-bas, il est en train de jouer, je joue. Demandez à sa team, s'ils sont ici, ils vont vous dire. Il fait quoi je fais? Moi-même, je ne savais pas. Un jour, je dormais et les gens sont venus me dire, ah, Axel t'a dit merci. Il dit, ah, les conneries comme ça, là.
ne vois jamais. Quand c'est pour moi, là, vous capturez jamais les aigris, là. Si vous avez capturé, là, et puis je me moque, je dis, c'est long pied. Si vous avez capturé, là, allez mettre ça sur ma page. Et je rentre dans le live. Moi, je joue chez Axel, demandez, voilà, maman Fumilayo est là. Je joue bien. Je joue, je sors, parce que je ne dois pas à quelqu'un, en fait. Je vis ma vie. Il n'y a pas de problème. Quand on me dit une action, je pars. Mais du moment où Kim, là, que j'aime, m'a jamais dit, maman, oui, plein, 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 je suis libre. La team de Manatu est là. Bonsoir, maman Gianni. Je vais chez Manatu. Je joue là-bas. Il y a quoi? Je vais chez Manatu. Moi, je vais chez Manatu. Je joue là-bas. Bien même. J'envoie les cadeaux, il est en train de jouer, j'envoie. Quand il s'agissait de quoi d'Axel, là, vous ne m'avez pas insulté ici? On a fait la promotion ici, vous n'êtes pas venu m'insulter? Vous n'êtes pas venu m'insulter ici? Que toi là, tu es derrière Kimi, tu es derrière Axel, vous ne m'avez pas insulté ici? Vous n'êtes pas venu monter sur mon live comme si vous êtes mes pères spirituels pour me dire, fais ton choix. Tu es assis, tu es ni chaud ni froid, on va te vomir. C'est vous les trop spirituels. Quand le jour, maman Wisdom place sa caméra, elle parle d'Axel. Pim! Vous êtes dans mes commentaires. Si vous avez regardé, vous les aigris là, si je vous avais regardé aujourd'hui là, la honte était sur mon visage. Si je vous avais écouté aujourd'hui, pourquoi elle donne les cadeaux à Manan? Je donne cadeau chez Axel, c'est mon agent, c'est ton agent. C'est toi qui travailles, c'est mon agent. Si je suis chez Axel là-bas, c'est mon agent. C'est ton agent. Je donne à Manatu, c'est mon agent. Est-ce qu'il travaille avec quelqu'un? Mais si vous avez écouté aujourd'hui, là, la honte, j'ai dit que la honte. On parle de quoi? On parle de quoi pour que vous puissiez me taguer? C'est parce que maman Wisdom disait depuis le début là-bas. Depuis le début là-bas. De quoi? Pour que vous puissiez venir me taguer. Le temps, là, c'est un autre, c'est le nom de Dieu. Le temps est un autre nom de Dieu. Maman Wisdom, ça, tu as parlé. Vous n'avez pas de téléphone? Vous n'avez pas de téléphone? Vous n'avez pas de téléphone. Vous n'avez pas de connexion. Le temps que tu prends pour écrire, maman Wisdom sauf, tu vas parler là. Tu peux te mettre en live. Plus jamais. Kim, elle est arrivée, elle est partie, elle va faire ses études. Plus jamais. Parce que je dis, la personne qui me tague net, je t'affiche. Tu me tagues, je capture, j'affiche sur ma page. Maman Wisdom, sors, tu vas intervenir, sors, tu vas parler, sors, tu vas faire quoi? Après encore, vous envoyez les gens. Après encore, vous allez dire, c'est Maman Wisdom de Kimi là, hein? C'est elle. Après encore, d'autres vont dire, focus, silence. Comédie va. La pire des comédies. Moi, je suis focalisé sur Kim. En tout cas, maman Evelyne. Vous ne m'avez pas insulté ici, même quand je vais dans les lives de Kim. Ouf, c'est la nous. Est-ce que je ne vous vois pas?
Mais vous êtes culotté, vous êtes fort, hein, quand même. Celle que tu suis là dit focus. Toi, tu dis quoi? Il y a quoi? Il y a quel problème? On vous a dit que je suis juge. Je suis juge des affaires matrimoniales. On vous a dit que je suis juge des affaires matrimoniales. Des grandes personnes responsables sont en train de parler. Elles vont parler, c'est fini. Moi, j'ai quoi avoir dedans? Je suis juge des affaires matrimoniales. C'est qui mon problème? C'est tout. Quand il s'agissait de la parade des activités de Kim, là, on ne vous voyait pas pour aller taguer les gens. Oh! C'est quoi? Quand il s'agissait de... On avait la parade ici, les 24 heures devant, vous avez vu? On était paniqués jusqu'à nous-mêmes, on voulait faire pipi sur nous. Tellement connexion nous fatiguait ici, on est que c'est nous-mêmes, on est en train de vendre les produits. Quelqu'un même qui doit se mettre en l'air, même nous-mêmes, on est dans nos maisons, même là. On va aux toilettes, on fait pipi, on revient, on est là, on marche dans la maison, on est paniqué. Laissez-moi dans mon coin. Laissez-moi à ma place. Laissez-moi dans mon coin. Vous, les mêmes abonnés là, les mêmes, vous avez inventé un groupe, inventé. Non, c'est la voix de Maman Wisdom. Vous avez entendu. Oh, c'est pas possible. Ils sont même allés jusqu'à entendre une voix d'un groupe WhatsApp, que c'est la voix de Maman Wisdom. J'étais scandalisée. Mais à quel moment, moi, j'appartiens à un groupe WhatsApp, en fait? À quel moment j'appartiens? Mais vous m'avez lavé, j'ai vu tous les lives. Mais je dis, Seigneur, ça va aller. Peut-être ces personnes-là qui parlent, elles ne savent pas, elles vont bien écouter. J'imagine combien vous m'avez pilé dans l'inbox de la jeune fille. Moi, je vous dis toujours que vous ne pouvez rien créer. Car quand il y a le sceau de l'Éternel sur quelque chose, là, vous n'êtes rien. Ça va, maman Christy Donna? Vous pouvez vous moquer de moi. Maman Sally Koulibaly doit être dans le live là. Quand vous étiez en train de me traiter de quoi là? De oh, Jésus. De menteuse spirituelle. Maman pasteur qui s'est dit pasteur, qui est dans les groupes WhatsApp, qui ment. Il garde sur moi, hein, parce que je n'ai pas envie de parler. Et la plupart du temps, à cause de Kim, là, même, on est mal à l'aise. Parce que souvent, même là, tu as envie d'ouvrir ta bouche pour parler, même là, à cause de visage qui est là, là, même là, tu ne peux pas parler. Souvent même, tu as envie de te mettre à l'aise. Mais quand tu as un visage qui est devant moi ici, là, tu ne peux pas parler. Parce que tu as fini de parler, après maintenant, ça peut venir en live. Vous, mes mamans, Quand je pense à ça même, là, la paix de cette jeune, de la jeune dame, j'ai dit, bon, ok.
Prends sur toi, maman Wisdom. On y va, on continue. TikTok, c'est la rue, comme ils le disent. C'est-à-dire que toi, sur TikTok, là, si tu viens en pasteur, tu vas repartir en brigand. Sur TikTok, ici, quand tu reviens en pasteur, serviteur de Dieu, ouin, tu retournes en brigand spirituel. Il y a quoi? Parce que les gens vont te former. Laissez-moi tranquille, hein. Enlevez-moi dans vos histoires. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi dans mon mensonge spirituel prier mon Dieu, me mettre à part. Si je dois ouvrir ma bouche, c'est que c'est pour prier pour, prier pour celle que j'aime. Vous savez, c'est à cause de vous là que moi-même, je ne parle même plus d'accès sur mon live. Sinon, c'est deux, je parlais depuis. Il a dit, ah, mieux, je m'assois. Je m'assois d'un côté. Faut pas me prendre la tête. C'est à cause de vous là. Souvent, quand Kim like mes photos, même quand elle laisse un truc, je ne peux pas. Je fais semblant de voir, même quand elle laisse un commentaire. C'est pas la dernière fois. À cause de vous, les méchantes personnes, j'ai affiché le petit commentaire. Axel like mes photos. Il est dans mes poudres. Kim fait pareil. Mais je ne suis pas du genre à afficher pour me donner la gloire. Parce que je suis arrivé ici, avant même de parler d'eux, il y avait combien de mille d'abonnés? Moi, c'est les enfants qui veulent émerger, c'est les enfants qui se cherchent. Maintenant, moi, je viens chercher quelle gloire là-là? Quelle visibilité je viens chercher? Donc, moi, je viens chercher visibilité sur visibilité, de vous à moi, quand même. Non, je parle de Kim, maman Wisdom, elle cherche la visibilité. Elle est... Vous souffrez, hein? Vous souffrez même. Et c'est pas ce qui va me décourager. Il y a des artistes là qui cherchent des gens qui ont de grandes pages même pour faire leur pub. Mais il a compris une seule chose, vous ne créez rien et vous emmerdez les gens. Vous n'avez rien à proposer aux gens. Et puis vous emmerdez les gens en fait. D'habitude, je suis très virulente dans mes propos. Mais aujourd'hui, si tu remarques, je dose un tout petit peu. Laissez-moi en dehors de vos conneries. Parce que vous êtes plein dans mon live ici. Je vois plein les noms qui étaient dans les inbox en train de dire oui, c'est sa voix. Et elle est mauvaise, hein? Elle est maudite, hein? C'est comme ça qu'elle peut faire. Heureusement pour moi que ça arrive, c'est parvenu à mes oreilles. Quand j'ai écouté, j'ai dit, mais diantre! Je vois les noms. Vous qui êtes en train de m'insulter, là. Elle est mauvaise, hein? Ça, là, il faut que Kim sache ça. C'est sa voix. C'est elle-même qui est la mauvaise. C'est-à-dire que vraiment, ton diable même, il est toujours à tes côtés. Les mamans, j'écoute la voix, oh, je suis étonnée. À quel moment maman Wisdom a appartenu à un groupe WhatsApp? Jamais. Demandez aux mamans qui me suivent ici. Tout ce qu'on me... Maman Tati Lyon est dans le live, elle va vous dire. Avoir Kim Simo, elle va vous donner le nom de la femme qui parlait. Comme vous m'avez insulté depuis des mois, elle connaît la dame. Ils sont dans le groupe là-bas. Laissez-moi pour ma paix. Mais je vous dis, moi-même j'ai le nom de la personne, je peux donner en live Tia. C'est parce que je ne suis pas venue pour ça, en fait. Demandez à maman Tatilion, nous, tout ce qu'on fait, là, on dit ça en live ici, et on se sépare. Si vous avez vu maman Wisdom quelque part, c'est qu'elle est en train de prier. Laissez mon nom tranquille. Voilà mes mains de Kim Makoso en l'air. Laissez-moi tranquille. Ce soir-là, je suis sortie pour vous dire ça.
quitter dans mon inbox, laissez-moi en paix. Je ne suis pas sur TikTok à cause de vous. Si vous avez écouté, vous là, on peut écouter vos bouches là, on va mourir sur TikTok ici. Les mêmes personnes qui viennent, moi je n'aime pas Axel, hein. Moi c'est Kim seulement, hein. Le lendemain, ils vont voir Kim avec Axel. Elles ont l'art. Non, moi c'est Kim seulement. Le lendemain, ils voient les deux, merci Seigneur. Les servantes de Dieu, ouin. Qui détectait que les autres sont des menteurs spirituels. Quand Kim enlève même une musique, joue ta musique, bébé. Tu peux jouer ce que tu veux, mets-toi à l'aise. Quand elle se retrouve dans les groupes WhatsApp, elle sentait de la déchiqueter là-bas. Maman Annie, il ne faut pas rire. J'étais en plein live ici. Vous vous rappelez les mamans? Et quelqu'un est quitté dans leur groupe WhatsApp là-bas pour venir me dire ça ici, dans mon live. Maman, ils sont en train de la descendre là-bas. Tuez-vous dans vos groupes WhatsApp, hein. Moi, il n'y a rien à voir vos conneries là. Blessez-vous dans vos groupes WhatsApp là-bas. Ça n'a qu'à s'arrêter là-bas. Mon bébé, tu es toute belle aujourd'hui. On va jouer la musique, on va booster le son. C'est pas vous là qui êtes en train de dire, maman, oui, donc pourquoi tu parles de X ou Y? On va booster la musique. Et souvent, quand ils regardent, je rigole quoi. Vous allez venir m'interdire, moi-même, de m'épanouir avec mon propre téléphone. Je vais aller regarder le live d'Axel, je vais. Tu n'es rien dans mon affaire. Je vais aller regarder le live de ma nature, je vais. Tu n'es rien dans mon affaire. Et si des grandes personnes sont en train de se battre, évitez-moi ça. Ne me tape plus. C'est des grandes personnes. Elles sont majeures. Le jour où tu as vu Kim dans quelque chose, et puis tu sais que c'est chaud là-bas, suelle, je vais partir. Tant qu'elle n'est pas entendue, elle n'a pas encore ouvert sa bouche pour dire, j'ai dit que dans plein fin, je suis à ma place. Et si toi, tu n'as pas la force de rester à ta place, mais reste, désabonne-toi, cherche-toi quelqu'un d'autre. Je vais revenir en arrière, vous allez voir quelque chose. On considère que tout de suite. Moi, je cause avec les mamans. Il n'y a pas de problème. Chacune a son avis divergent. Moi, il dit c'est Kim ou rien. Et ça chauffe pas. C'est depuis on parle d'un an, non? Un an. Donc, c'est Kim ou rien. Toi, tu es qui même? Tu es né où pour venir enlever à faire des Kim là dans ma tête? Toi, tu connais la kimititude, là, quand ça te prend comme ça, tu deviens fou. Non, tu es qui même? Tu n'es pas encore né pour enlever ça dans ma tête. Toutes les mamans connaissent mon affaire de Kimi, là, ça ne chauffe pas. Mais ça m'empêche pas de causer avec les mamans, on discute. Même si on a des avis contraires, on discute. Mais mon affaire de Kimi, là, c'est comme folie. C'était les deux. Mais comme vous m'avez persécuté, laissez-moi tranquille, hein. Même cette histoire de petit match, maman Wizom est montée pour aller soutenir la pauvre Modo là-bas. Vous n'avez cogné les têtes là-bas. Vous êtes dans mon inbox. Maman Wizom, on ne veut pas, hein. L'autre dit, on veut, hein. L'autre dit, on ne veut pas. Laissez-moi dans ma gamme, hein. Laissez-moi tranquille. Vous m'avez bien lavé, ce sont ces voix, la mauvaise, la maudite. Mais vous n'avez pas eu le cran de dire, ah, maman, oui, ils sont vraiment désolés. Hein. Yeah. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi en paix. Il a dit Kim ou rien. C'est ce que moi, il a dit. Et ça ne chauffe pas, il va jusqu'au bout. Et moi, là, quand j'aime, il devient bête. Il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever ça dans ma tête. Mais il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Le plus important, c'est les études de Kim. Il y a quoi même?
Où il est l'heure, la petite fille va aller à l'école pour se concentrer sur ses études. Vous allez taguer les gens. Il y a quoi? Bon retour à tous. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses. Bon retour aussi à vous qui êtes en train de nous suivre à ce moment pour votre toute première fois. Bon retour aussi aux guetteurs. Voilà. Ça me fait tellement mal que nous sommes d'avoir une jeune fille comme Kevin Makosu qui n'a pas de maman, mais qui a quand même des mamans qui sont derrière elle. Oui, on n'a pas dit que toutes les mamans là qui sont derrière Kevin Makosu sont des bonnes mamans. Elles veulent ce qu'ils sont bons pour elles. Il y a aussi des mauvaises mamans derrière. Mais moi, je suis témoin, je peux témoigner pour Mama Wisdom. Parce que Mama Wisdom a beaucoup fait sur la toile pour Kimi Makoso. De prière, moi, j'étais là à suivre des lives de Mama Wisdom. Bon, ex-nom, Mama Beret. Ex-nom, Mama de Kimi et Axel. J'étais là dans des lives de prières pour cette jeune fille Kimi Makoso. Mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas qu'elle soit très contente ou qu'elle soit justement contente. Une petite orpheline comme ça là, vous en voulez quoi d'elle? Vous les abonnés toxiques, vous les femmes toxiques. Mais au lieu de dire à Mama Wisdom de s'occuper de ses enfants, mais vous aussi, occupez-vous de vos enfants. Occupez-vous de vos maisons. Au lieu de mal commenter, au lieu de réagir comme je ne sais pas, hein, des mamans qui veulent du bien pour elles. Laissez-la tranquille, laissez le maman tranquille, laissez les mamans tranquilles. Nous, on est là, nous les noirs, nous sommes toujours là à rabaisser les uns les autres. Si on voit quelqu'un aller de l'avant, on ne veut pas. Si on veut qu'il y ait quelque chose que nous, on n'en a pas, ça nous fait mal au cœur et on veut détruire la personne. Mais les gens comme Kimi, Axel, et les gens que vous voyez là, ce sont des enfants élus des dieux. Même si certains d'entre vous ici, vous allez dire que non, ce n'est pas vrai. Mais si Dieu a dit oui, personne ne dira non. Quoi que cette personne fait, des gens comme Kimi, comme Axel, là, je vous répète, ce sont des élus, ce sont des choisis de Dieu. Alors, n'importe quelle haine que vous avez, que vous allez mettre dans cette histoire, ils seront toujours vainqueurs car il y a Dieu dedans. Voilà. Et on se limite ici à nos limites à ces moments. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci à nos abonnés. Merci à tous. Merci aux guetteurs. Merci à vous qui nous suivez à ces moments pour votre toute première fois. On vous remercie tous ensemble. Et on se voit qu'à la prochaine épisode. À nos abonnés, on ne cesse jamais, on crée aucun grand jamais de vous dire combien on vous aime beaucoup. On vous aime énormément, gravement, grave. On se retrouve qu'à la prochaine épisode. Je vous ai dit de commenter les vidéos seulement après avoir écouté les analyses de Dieu Stress. De ne pas regarder les titres seulement et puis commenter. Voilà, c'est ça. Et Dieu Stress pour vous. Ciao, ciao. On se voit à la prochaine épisode. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.